Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour jouer à Top Gear Rally, un jeu sorti sur Game Boy Color. Édité par Kimco. Alors on va faire Top Gear Rally 1 et Top Gear Rally 2. Pourquoi deux jeux en une seule vidéo? C'est tout simplement parce que, niveau profondeur de jeu, c'est quand même pas autant élevé que sur console, donc on va aller un peu plus short. Alors, on a plusieurs options de jeu. Alors, le menu option pour commencer. On a donc un mode passeport, on peut mettre le Rumble, on peut changer et faire des tests de son. Donc là on a les musiques. On peut tester 5, on peut tester 6, etc. On fait un retour. C'est pas ça qui nous intéresse, c'est vraiment le jeu. On peut faire un VS Battle, alors il faut avoir un câble Link pour pouvoir jouer entre les deux Game Boy pour que ça fonctionne. On a un Time Attack et un Championship. Je commence direct. Je propose directement de commencer par le championnat parce que Time Attack en fait c'est exactement la même chose, on va être tout seul. Donc c'est parti pour un mode championnat. Alors, c'est un jeu qui a des licences. Quand je dis des licences, il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a deux. C'est-à-dire qu'il n'y a que deux voitures pour le moment. On a une Corolla WRC et une Subaru WRC aussi. Vous voyez qu'il y a une petite différence entre l'autospeed et l'accélération. Je vais prendre celle qui a le plus de vitesse. Parce que pour l'instant c'est assez facile, vous allez voir. On peut changer les vitesses, mais c'est pas ce qu'on va faire. On a Grassland, on a désert, on a la jungle, on a Grassland. Pour l'instant on a 3 circuits. Donc on va faire c'est la première course. Comme ça, vous pourrez comparer avec Top Gear Rally 2. Allez, c'est parti. Et comme j'ai expliqué dès le début de la vidéo, c'est austérité sur 20. C'est vraiment le genre de jeu. Aïe, ouh, il nous a coupé la route. C'est sur la Game Boy Color, donc évidemment les graphismes c'est pas ça, mais on va dire que ça se défend, la fluidité est plutôt correcte. Par contre au niveau du son, c'est vraiment ignoble. On est 8ème, on a un petit... donc on a un tour sur 3 à faire, on a le temps fait par tour en haut, on a le régime moteur en bas à gauche comme vous l'aurez pu le voir, la vitesse de pointe et la vitesse enclenchée. Par exemple là on est à la 6ème vitesse. Et on a donc un petit point rouge, un petit point vert, c'est l'avancement, cette ligne, c'est l'avancement jusqu'à l'arrivée. On peut voir qu'on a fait une petite partie. On a fait à peine un cinquième du circuit. On va essayer de le passer. Waouh, on perd de la vitesse. Et il nous a coupé la route. Et il faut savoir que c'est vraiment le plus difficile en jeu, c'est d'éviter l'IA, parce que quand on l'évite pas, on perd énormément de vitesse. Heureusement que ma Subaru je vais plus vite. Et donc là on remonte 6ème. Hein. Donc en fait on part un peu comme à Sega Rally, on part de la dernière place pour remonter jusqu'à la première. La seule différence c'est que les IA sont un peu plus embêtantes que dans Sega Rally où elles sont vraiment inutiles. Ouais, il se met sur le côté. On va rester sur le côté pour peut-être le passer par l'extérieur. Alors oui, j'ai un temps de réaction qui est quand même facile. On peut remarquer que la Corolla en vitesse de pointe dans les virages est quand même plus rapide. Mais en ligne droite, voilà, on est passé devant. On est 5ème, il reste la moitié de la course à faire. Je vous montrerai une petite course puis une deuxième, puis on passera évidemment après au deuxième épisode de Top Gear Rally, qui ma foi pour un premier jeu est plutôt pas mal. Hein. C'est vraiment le genre de jeu classique qu'on avait sur Game Boy, hein. c'est du scrolling vertical. Enfin vertical, avec un léger effet 3D, hein, mais c'est vraiment... Je comprends pas trop l'intérêt en fait des jeux sur console à cette époque, parce que honnêtement, on s'y croit pas énormément, hein. Si vous regardez bien, faut vraiment à l'époque avoir eu que ça pour se dire bon, je vais quand même aller jusqu'au bout. Regardez-moi cette austérité, bon, écoutez-moi ce bruit. Hein. Voilà, il y a vraiment rien, le régime peut changer un petit peu, il y a quelques effets sonores mais ça s'arrête là. Donc là on est 3ème pour le moment. On va essayer de le dépasser par l'extérieur. Ouais, c'est bon, il a l'air de se laisser faire. Du coup, on est deuxième. On a un petit panneau qui nous indique aussi en bas s'il faut tourner à gauche ou à droite. Ouais, je perds un petit peu de vitesse dans le virage. Je suis à 226, mais c'est quand même énorme. Je peux prendre le virage quasiment à fond sans problème. On va essayer de dépasser le leader. On arrive vers la fin. Bon, ça, il nous reste quand même un tiers de course, donc on devrait être tranquille. Ouah. Et c'est bon, c'est passé. Et pas de dommages hein, sur la voiture.
Et là, regardez, ce qui est marrant, c'est que je suis à 220, 224, 127, mais la voiture repère de la vitesse, des fois elle en gagne. La vitesse de pointe est pas stable. Peut-être que le dénivelé il joue quelque chose. Et là, il y a la Toyota qui nous rattrape, qui va nous dépasser peut-être en virage. Elle est passée devant légèrement. Bataille épique entre la Corolla et la Subaru. Et finalement, on est repassé. Ouais, 226, 227. Ça change un petit peu avec les boss. Après, on reconnaît que c'est une Subaru. Hein. Ils ont réussi l'exploit de me faire reconnaître une voiture avec 20 pixels. Je pense que vraiment, la voiture là, allez, franchement, elle va faire quoi? 32 pixels. Vous voyez le décor de fond qui change pas beaucoup. Il y a quelques effets graphiques, mais c'est vraiment, vraiment très limité. Et donc, on a réussi. On a fini la course en première place. Voir ce qui se passe quand ça termine. On a droit à un mot de passe XKRW. Souvenez-vous-en si un jour dans votre vie vous avez envie de jouer à ce jeu. On va prendre une deuxième voiture, on va prendre la Corolla. Et par exemple, on va faire. Je serai dans la jungle, tiens, pour voir s'il y a un petit changement. Alors, on est dans la terre. Alors, il y a à savoir aussi que si j'accélère trop fort dès le début, la voiture va caler. Donc en fait, on va perdre beaucoup de temps au démarrage, donc il faut vraiment faire attention de ne pas démarrer trop vite. C'est un petit détail, mais bon, ça a son importance. Allez, virage à droite. Bon, le décor est différent, c'est déjà ça. Ah, par contre, là, je dérape. Ouah, on perd de la vitesse, on va accélérer. Donc là, on est sur la terre, donc on sent un petit peu la différence au niveau du grip, ça c'est une bonne, un bon point. Par contre, en vitesse de pointe de la Subaru, ça va être compliqué. Ouais, on a moins de vitesse, on a 217, 213. Oh, on a fait une tête à queue, et du coup on va partir à zéro. C'est le temps qu'on perd hein, pour pouvoir reprendre la vitesse. Et du coup on est 9ème. Je pense qu'on aurait dû freiner en fait, hein, tout bêtement. Allez, on va essayer de mieux prendre le virage. On va ralentir un peu, réaccélérer. C'est très difficile de juger la fin du virage, les distances, c'est ça qui est vraiment compliqué à l'époque. C'était pareil pour le jeu du Super Nintendo, hein, d'ailleurs, Nintendo, Game Mega Drive, toujours cette vue un peu horrible. Il fallait vraiment faire preuve d'imagination pour s'y croire. Après, ça passe, hein. Franchement, pour la Game Boy, ça reste correct, les graphismes sont plutôt pas mal. Mais vous allez voir qu'il va y avoir un bon graphique effectué avec la version 2 de Top Gear Rally. Allez, j'essaie de la... Décidément, je galère complètement. Hein. J'arrive à peine à rattraper la Subaru. Il suffirait que j'ai un virage devant moi et c'est fini. Hein. Je repère l'avance que j'ai gagnée. Ah, quand la Subaru prend le virage 10 fois plus vite que moi. Mais ça va, la accélération, on est passé. On sera peut-être pas dernier, c'est incroyable. J'ai l'impression d'être mal branque, quoi. C'est-à-dire arriver à donner du suspense à un truc qu'il n'y en a pas. Allez, à fond. Et là, pareil, hein. Toujours pareil, aucune ambiance, rien du tout. Oh, on est passé. Ici, on est passé. Nickel. Oh, c'était juste, on s'est un petit peu touché. Alors, comme vous pouvez le voir, comme pour les jeux Game Boy, j'ai décidé de mettre une interface de fond derrière, un peu plus sympa, un peu plus coloré, puisque de toute façon on est sur une petite console portable, donc il n'y avait pas d'intérêt de faire une interface type télé. Donc je suis resté là-dessus. Puis au moins, voilà, vous avez les bonnes proportions, la console qui va bien, la version jaune, même si j'aurais pu y avoir la version or. Allez, on va essayer de finir ce circuit. Il y a deux tours, hein, vous voyez, c'est assez long hein, comme ce tracé par rapport au premier. On va essayer de remonter tranquillement. On va escalader. Oui, je ralentis, je reste dans le virage à l'intérieur. Est-ce que je vais me planter? Non, ça va. Je ne suis pas planté par rapport à tout à l'heure. C'est la bonne nouvelle. Ah, c'est vraiment un virage serré par rapport à tout à l'heure. Et du coup, on revient largement sur la Subaru. Il faut quand même doser le virage, mine de rien. On dirait pas comme ça, mais
petite difficulté. Autant le premier circuit se finit vraiment facilement sans problème, autant celui-là est beaucoup plus compliqué. Ah, par contre, c'est une évidence, je ne gagnerai pas ce circuit. Il faut que j'évite de me rapprocher trop du bord, là, accélération, et c'est parti. Allez, 218 km/h, on va essayer de rapprocher. Qu'est-ce que c'est, quelle bataille épique pour la 5ème place, incroyable. Allez, on va terminer la course, et puis après on va passer... on va passer à la version 2 du jeu. Oh, ça passe, pour l'instant ça passe. C'est vraiment en ligne droite hein, que j'en rattrape d'un coup. Voilà, on va essayer de passer à droite, vite. Voilà, 5ème place. Je pense pas que je vais pouvoir rattraper le 4ème pour autant, mais... on sait jamais. Alors je pourrais rien faire d'autre, hein. Accélérer, freiner, tourner droite, gauche, y'a rien de plus. Je me demande même comment on passe les vitesses dans le jeu à la base, parce qu'il nous dit qu'on peut le faire. Ah, peut-être avec haut et bas. Souvent à l'époque, j'utilisais le bouton haut et bas. Il y a une petite bosse, vous avez vu. On va se prendre l'intérieur, oui, oui, ça passe. Et du coup, on va peut-être finir bah, 4ème. Écoutez, c'est plutôt pas mal hein, pour un premier test. Par contre, évidemment, le but est terminé promis à chaque course pour peut-être débloquer un autre circuit. Je sais pas si on peut débloquer quelque chose, par contre, c'est dommage. Voilà, try again. On a fait un temps en 5-11. On va pas faire try again, on va changer directement de jeu. On va faire donc la version 2, c'est parti. Top Gear Rally 2 sur Game Boy Color, vous allez voir, l'évolution est énorme. Alors le logo est le même au début. Par contre, je vais m'arrêter sur l'introduction qui est magnifique, je vous la laisse. Pour la Game Boy, bien entendu. Et là, je vous laisse avec la musique qui est plutôt sympa. Alors, on va faire sorte quand même, sinon, parce que si, j'ai peur qu'ils mettent la démo. Alors, donc là, on évolue un petit peu. On a un mode Quick Arcade, un mode championnat et un mode option. Oh, le petit option. Il n'y a pas grand chose. Hein. On peut faire un sound test ou supprimer les données. On va faire ni l'un ni l'autre. On va revenir en arrière. Et on va faire un. Écoutez, un petit mode championnat, je sais pas, on va faire un petit quick arcade pour montrer le contenu qui a un petit peu évolué. Donc on peut jouer contre l'ordinateur, on peut jouer avec le Link toujours, mais on, évidemment c'est pas disponible parce que j'ai pas de console. On a le time attack et le record de course, on va faire un petit course contre l'IA. Et on va reprendre le même circuit pour montrer l'évolution quand même qu'il y a eu entre les deux versions. Sachant qu'on regardez maintenant, on peut faire donc en version pluie. En version pardon, soleil, pluie, snow et night, je vous propose de tenter le mode de... Ben, le mode snow, on va voir ce que ça vaut. Et vous allez voir au niveau des licences, c'est pareil, on a fait un petit bond en avant. On a donc toujours les deux Corolla et la Subaru, mais on a aussi la Mitsubishi Lancer, la... deux fois la même, non ? La Corolla, ouais c'est bon. On a la Seat, qu'on a vu dans l'introduction, on a la Skoda Octavia, on a la Peugeot 206, on a le Ford Focus, décidément il y a quasiment toutes les licences de rallye, c'est assez extraordinaire. Et histoire de vous montrer juste l'évolution de la voiture, je vais prendre la même que tout à l'heure et après on changera. Et regardez l'évolution de graphique. Hein. Et là ouais, j'ai accéléré trop fort, donc du coup on a calé, enfin on a fait un dérapage. Et donc c'est parti. Par contre, le son est vraiment dégueulasse. Alors, s'il y a vraiment un truc qui est pas bon, c'est ça. On va voir s'il y a une différence avec la glace. Oula. Alors, ce qui est marrant dans cette version 2, bon, là, effectivement, que... Oula, je me crache complètement.
Au-delà des graphismes qui ont vraiment été bien améliorés, bon, ça reste toujours très vieux, mais pour la Game Boy, c'est quand même excellent. C'est surtout le fait que, regardez, la voiture, limite qui se plie, quoi. On a l'impression qu'elle est, qu'elle est en caoutchouc, la caisse. Par contre, le nombre de polygones a légèrement évolué, pardon, sur la voiture. Il y a un petit peu d'augmentation. Plus de détails sur les côtés, et évidemment la piste qui est mieux rendue. Effectivement, ben là on a la neige, hein. On a les effets de neige. Par contre, regardez comment il m'empêche de dépasser le mec avec la 7, c'est incroyable. Le mec fait des zigzags, quoi. On sent qu'il est en tour de chauffe. Et le circuit qui est beaucoup plus rapide. Son gros virage à l'extérieur. Oh là, même la Subaru s'est plantée. On va essayer de reprendre avec la ligne droite. Et voilà la vitesse qui monte un peu plus lentement parce qu'on est sur la neige. Je pense que si on change de... On a une vitesse de pointe qui est toujours aussi élevée, mais en revanche la vitesse de pointe monte beaucoup plus lentement par rapport au... Regardez, il s'est la dépassé, il se met sur les côtés. Ah, ils sont en mode agressif complet, hein, les IA. Allez, on va prendre le virage. On va essayer de faire une petite différence peut-être par rapport au mode... Comment dire? Là on est sur la neige. Ça va être intéressant de voir si le jeu, quand on est sur du bitume classique sur le même circuit, accélère mieux ou pas. Enfin, si la voiture accélère plus ou pas. On a pris les arbres. Bon, il y a 3 tours. Vous allez voir, ça va se finir assez rapidement. Ce qui est marrant, c'est que l'IA aussi se plante. C'est pas que nous. Ce qui est plutôt ultra rare dans les jeux Game Boy. Enfin, les jeux de voiture, surtout à l'époque. L'IA qui fait des erreurs, c'est pas trop ça. Ils sont plutôt sur un rail. À part peut-être des options de derby, bien sûr. On va dépasser la Ford Focus. Franchement, je reste quand même assez impressionné par le jeu. Pour un Game Boy, c'est quand même assez joli. Hein. Bon, voilà, hein, pour l'époque, toujours. Bon, le son, par contre, c'est dommage, il n'y a pas de petite musique. Et vous voyez, l'IA fait ça. Si je touche à rien, l'IA, il est parti en tous les sens. Voilà, il manque un petit peu de musique. C'est vraiment dommage. Donc, on a perdu. On peut mettre. Notre pseudo. Et on a réussi à faire le mieux en temps. Ah oui, j'allais dire, ils sont tous en... On a battu tous ceux qui étaient sur le sec, mais en fait, il n'y a pas vraiment de temps qui a été fait. Par contre, on est en niveau facile. Je vous propose de faire encore un petit essai en Quick Arcade. On va changer de circuit. Oui, on a la forêt, on a l'Exide, on a la savane, la montagne. Et on a même la ville. Alors, j'ai hâte de voir si ça peut donner la ville. Mais on va quand même tenter de prendre une autre voiture. On va se mettre sur le Fine, c'est-à-dire un temps clair. Et on va prendre... Pourquoi pas la Seat? Allez, c'est parti. Ah, ça va, on a fait un bon départ. J'ai accéléré au bon moment. Et du coup, on va partir en ville. Alors, j'ai l'impression que ça accélère pas mieux, finalement. Non, toujours à 150. Alors il va y avoir des virages ultra serrés. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a l'ajout du circuit en bas, ce qui fait qu'on peut à peu près deviner le prochain virage assez rapidement. Ça c'est vraiment une... C'est vraiment très important dans ce type de jeu, où on a quasiment aucune vue sur le virage qui va arriver. Parce qu'évidemment le... Aïe! Il me coupe complètement la route. On a aucune vue sur... Bah il y a du clipping énorme. Enfin, quand je veux dire, pas avoir plus gros clipping. Le clipping il est à 20 mètres, quoi. Après ça va être à droite, parce que je peux le prendre à fond, ouais c'est bon. On a un pif paf normalement gauche, droite, gauche, enfin, l'inverse, droite, gauche, droite. Voilà, après il y a un virage serré. Après virage à gauche, puis virage à droite. Oh attention, t'as des pif paf gauche, droite. Et là, on va à droite, attention la Seat. Vous voyez, on voit que c'est une Seat pourtant, hein. C'est comme la nôtre, mais elle a pas les mêmes couleurs, ce qui fait qu'on la reconnaît. Aïe. Et là, dans la ligne droite, tranquillement. Alors, à savoir que la Game Boy Color, par rapport à la Game Boy classique, il me semble qu'elle elle est plus rapide légèrement. Bon, évidemment, elle affiche des couleurs, ça change pas. Mais je crois qu'elle passe de 4 MHz à 8 MHz, quelque chose comme ça. Mais je sais pas si les jeux Game Boy, Game Boy normaux sont légèrement plus fluides sur Game Boy Color ou s'il n'y a aucun changement. Si la console bride les jeux Game Boy normal à 4 MHz en vitesse.
Alors la Game Boy Color, normalement on l'affiche 4096 couleurs, mais évidemment pas en même temps. Au grand max, je crois qu'on affiche 32 ou 64, je crois que c'est un truc comme ça. Allez, on va finir le tracé. Pour l'instant, on est troisième, peut-être rattraper le deuxième. Hein. Voilà, ça passe, ça passe. Ah, par contre, je pense pas que je vais finir premier. Il faudrait vraiment que. Ah bah voilà, on a échoué, mais juste devant lui. Et ça, je suis sûr, c'est à cause de l'IA qui nous a bloqué. Bon, ça va, second, c'est quand même pas mal. On a un petit record sympathique. Allez, on va faire un petit championnat. On va faire une petite course comme ça, et puis on s'arrêtera là. On va faire donc. On peut continuer le jeu. On va faire. Je peux continuer parce que j'ai peut-être une data. Non, j'avais rien. Donc on n'est pas de données. On va faire continuer. Enfin, on va faire nouveau jeu. Alors, ce qui est marrant, c'est que le. Je reviens en arrière. Le. On pourra pas, tant pis. Le menu principal des deux Top Gear Rally, en tout cas du deuxième, c'est encore plus flagrant. On a l'impression de voir Tortue Ninja. Sincèrement, moi j'ai l'impression de voir ça dès le début. On m'a fait la même réflexion quand j'ai montré le jeu. On dirait qu'il y a marqué Tortue Ninja. Ou Mutant Turtle. Alors, et comme vous pouvez voir, regardez, ça c'est assez intéressant. On a 7 temps de points. Vous pouvez voir que les caractéristiques des voitures sont vraiment très très faibles. On a par exemple la Subaru, voilà, 2, 1, 2. On a la Mitsubishi qui est beaucoup plus rapide mais qui tourne beaucoup moins. Et on a 700 points. Sachant que ces voitures-là, par exemple, vaut moins cher. Alors, la Subaru, elle fait 500 points pour l'acheter. Et celle-là, 600. On pourrait prendre plus, par exemple celle-là, qui a une meilleure maniabilité. Mais si par exemple, on prend... celle-là, qui pour moi est la meilleure dans l'idée, puisqu'elle est moins chère et elle a une bonne vitesse de pointe, une bonne accélération par rapport aux autres. On va l'acheter. Et vous voyez, on a la saison 1, donc on a 4 courses. Je sais pas si on peut les faire dans le désordre. On va prendre la montagne. Et on doit pouvoir gagner des points. Regardez, on peut démarrer la course, on peut acheter une voiture et on peut améliorer la voiture. Et ça, c'est quand même génial. On est sur Game Boy quand même, je le rappelle. Hein. On peut améliorer pour 200 points l'accélération, l'handling, le braking. Vu que le frein on l'utilise jamais, je pense qu'on va améliorer l'accélération. Et les freins, comme ça on a une voiture qui est complètement homogène. Et on va démarrer la course. C'est parti! Et on va voir du coup s'il y a vraiment une différence. Alors, 70, 76, 80, ouais, effectivement on est beaucoup beaucoup plus lent. Alors c'est un circuit ultra étriqué, hein, vous pouvez le voir. On va essayer de se faire... Dès le début, la première voiture, voilà, donc là on est déjà 9ème. Bon, elle est censée avoir une voiture pourrie, mais pour l'instant je trouve qu'elle tient plutôt bien la route. Enfin, je vois pas trop de différence. Par contre, ils sont ultra relous les IA, hein. Impressionnant. Comme ils nous bloquent la route. Et oui, donc vraiment ce qui est le plus intéressant par rapport au premier, le 1, c'est vraiment, il est vraiment basique, quoi. C'est un petit peu les... C'est un peu comme par exemple... Daytona USA le premier et le Championship Edition. Le Daytona USA c'est le côté technique qui prime, mais il n'y a pas beaucoup de contenu. Et Championship Edition, ben, il y a enfin un peu de contenu pour faire pour que le jeu ait une durée de vie plus élevée. Et c'est le cas ici ben, avec le Top Gear Rally 2 qui est quand même bien meilleur que le premier, mais vraiment sur tous les points. Le maniement, bon, ça bouge pas trop. En revanche, les décors c'est beaucoup mieux, le contenu c'est beaucoup mieux, il y a plus de licences. Voilà, donc c'est quand même. Ce jeu vaut vraiment le coup. En tout cas pour l'époque, si on devait le comparer à sa première édition. Je dis pas que c'est le meilleur jeu de rallye sur Game Boy, loin de là, je ne sais pas. Mais en tout cas pour moi, il reste très correct pour un jeu de Game Boy. On prend plus de plaisir dans le 2 que dans le 1. Le 1 est vraiment trop basique. En revanche, voilà, toujours ce petit problème de musique dans les courses qui n'est pas présent. Alors peut-être qu'ils n'ont pas pu mettre autant d'effets d'un coup, je sais pas. C'est possible, hein, peut-être une initiation technique. Et pourtant, quand vous jouez à Mario, bah, vous avez les effets plus la musique. Mais le fait qu'il y ait la musique, le son de la voiture en même temps en continu, plus les dérapages, plus la musique, peut-être que 3 sons, c'était trop compliqué. À voir, peut-être que c'est une limitation technique, je sais pas du tout. Ah, la Mitsubishi qui m'a encore bloqué, on va essayer de la passer à l'extérieur. Ah, c'est bon, on a réussi à passer finalement. Je pense pas qu'on puisse se retourner. On va voir. Hein.
Bon, pour l'instant, ça passe super bien. Bon, je vous avoue, franchement, je vois même pas la carte. Et même quand il y a un gros virage, j'arrive quand même à le prendre facilement. Le jeu est quand même plus facile que le 1. En tout cas, pour le début. Et on va arriver dans le troisième tour. On va voir s'il y a moyen de rattraper le deuxième. Bon, on l'a esquivé légèrement. Ça va, on n'a pas trop perdu de vitesse. Ouais, je pense que le premier, on va l'avoir largement. Ce qui va être intéressant, c'est de voir l'argent qu'on peut gagner. Enfin, finalement, le virage semblait plus serré, il n'était pas si serré que ça, si on se fiait à la map. Donc voilà, est-ce que je juge comment, j'ai envie de dire, si vous voulez vraiment être très trop hardcore avec des jeux très vieux, enfin en tout cas dans leur technique, allez-y, franchement, c'est un jeu qui vaut le coup. Après, bon voilà, vous allez vous amener 3 minutes, puis ça s'arrête là. Ça a vraiment beaucoup vieilli. Pour ce genre de jeu, de toute façon, il faut attendre vraiment les consoles 32 bits, les consoles 16 bits pour les jeux de course. À l'heure actuelle, c'est plus trop viable, il n'y a plus quasiment aucun plaisir. Surtout que ce type de jeu qui n'est pas basé forcément que sur la maniabilité, c'est surtout basé sur l'immersion. Comparé par exemple à un jeu RPG, etc. Et là, l'immersion, elle n'y est pas trop. Elle y est encore un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Donc là, on a gagné 200. Du coup, bah, je peux passer par exemple au Lakeside et je vais pouvoir, je pense, améliorer ma voiture. Donc, si j'avais fait par exemple. Je vois ce qu'on peut acheter comme voiture, parce que ça se trouve, on peut acheter des voitures qu'on n'a pas vues au début. Non, j'ai l'impression que c'est toutes les mêmes que celles tout à l'heure. Non, pas grand chose. Ah, par contre, on remarquerait qu'il y a une voiture qu'il y avait tout à l'heure qu'il n'y a plus maintenant. Donc, on va revenir en arrière. Et on va plutôt améliorer la voiture. Pour 200 points, on peut améliorer par exemple l'accélération. Je pense qu'on va améliorer l'accélération. Et donc c'est parti pour le deuxième circuit. Qu'on va peut-être pas faire en entier, on va terminer là-dessus. Ça va, on a réussi à pas caler. Et je vous laisse cette magnifique ambiance. Austérité sur vous. Il y a un certain Benzaï. Ah, je savais qu'il allait nous couper la route. Hein. Regardez, hein, c'est impressionnant comme il coupe la route. Et là, c'est bon, on est passé. Ouais, parfait. On va essayer de passer. Alors, on a gagné 200 en gagnant la course. Peut-être qu'en gagnant, en terminant deuxième, on aurait gagné 100, et peut-être qu'en terminant troisième, 50, je sais pas. Je sais pas si par exemple, si on termine en dehors de la première place, on gagne toujours de l'argent, ou s'il faut absolument gagner la course. Oh là là, bon, on a quand même réussi à le traverser. Ce n'est pas logique en soi, mais bon. On va pas trop critiquer la technique sur un type de jeu comme ça sur Game Boy, c'est vraiment difficile quoi. Si on le fait, bon, évidemment, il y a des jeux qui sont moins bien que les autres, mais on est souvent trop de mauvaise foi, parce que voilà, il faut comparer ce qui est comparable. Sur une console à 8 MHz, portable à l'époque, bon, c'est quand même plutôt réussi. Voilà, là, j'ai réussi à le squeezer en tournant l'inverse de lui. Donc, il faisait chauffer ses pneus en pleine course. Hein. Ça peut passer. Ouais, nickel, c'est bon. On a réussi. Bon, mais écoutez, que dire de plus, pas grand chose. Hein. C'est pour ça qu'on va on va cesser là-dessus, je pense. On va juste finir le circuit. Sur une victoire, j'espère. Pour l'instant, on est troisième. Ça se présente plutôt bien. Quoi, tout à l'heure, on était deuxième hein, quand on était dans le troisième tour. On va pas de se crasher. Non, ça va. On a réussi à passer. Alors j'ai pas beaucoup de réflexes dans ce jeu, mais ça va passer, hein. Le jeu est plutôt permissif quand même. Vous voyez, on s'est pas crashé une seule fois, pourtant j'ai raté mon virage plus d'une fois. Oh, on a failli l'avoir à l'extérieur, oui c'est bon, c'est passé. Et du coup on est en tête, on va arriver dans la portion la plus sinueuse du circuit. Là ça fait penser quand j'ai eu la Game Boy Advance la première fois, enfin quasiment pas à sa sortie mais pratiquement. Après il y a eu le jeu Sega Rally qu'on a testé ensemble
Et franchement, à l'époque, bon, il n'y avait rien à faire, mais je trouvais le jeu super beau, quoi. Pourtant, le jeu est immonde. C'est la fausse 3D. Enfin, c'est la 3D mélangée à la 2D, un peu dégueulasse. Mais à l'époque, quand on est gamin, en fait, ce genre de jeu, ça passe. Parce que vraiment, on a que ça. Puis c'est portable. Fait pouvoir jouer où on veut, c'est tellement énorme qu'on accepte énormément de défauts à ces jeux. Et ben voilà, c'est pour ça que ça marche, en fait. Parce que vous sortez ce jeu à la même époque sur console. Niet. Ben, c'est génial. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Donc, je vais oublier le nom du jeu. Top Gear Rally 1 et 2 sur Game Boy Color, je précise. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!